Tu recommences encore, Kinosuke. Tu crois toujours que je deviens sénile. Mais merci de reconnaître son fils. Enfin, prends cette cloche. C'est un charme que j'ai fait en pensant au jeune maître. S'il te plaît, offre-la à Bouddha pour le protéger. Je vous connais. Ouais! Vous êtes le brave seigneur Shinobi. Je ne vous avais pas revu depuis... eh bien, cette nuit-là. Quelle nuit? Hein? Vous ne vous rappelez pas? Non. Oh... je vois... vous ne vous rappelez pas. Écoutez, seigneur. Vous et moi, on s'est déjà rencontrés. J'étais un voleur à l'époque. Mais ces jours sont derrière moi. Maintenant, je suis un honnête marchand. Le problème, c'est que je n'ai plus un sou. Et donc, que je n'ai rien à vendre du tout. Alors, mon brave seigneur, auriez-vous quelques pièces à me prêter pour mes affaires? Je trouverai quelque chose d'utile, rien que pour vous. Promis. Et en bonus, je vous dirai tout sur cette nuit-là. Qu'en dites-vous? C'est une excellente affaire, non? Voilà quelques pièces. Merci, mon bon seigneur. Maintenant, raconte. Oui, oui, bien sûr.
Cette nuit-là, ma bande s'était introduite au manoir des Hirata. Comme vous le savez sûrement, les Hirata sont des vassaux des Ashina. Normalement, ils auraient dû nous massacrer en un rien de temps. Mais quand nous sommes arrivés, une bataille se déroulait au loin et presque tous les jeunes samouraïs étaient partis. C'était une occasion en or. Ensuite, nous avons mis le feu pour tout voler. Et c'est là que je vous ai rencontré. Vous cherchiez quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est tout ce que je sais de cette nuit-là. Je vois. Ouais. La tête que vous faites là, c'est celle que vous faisiez cette nuit-là. Vous cherchez toujours quelque chose ? Écoutez, mon bon seigneur, si vous payez, je pourrai vous raconter d'autres petites choses utiles. Si vous payez, bien sûr. Je suis un marchand désormais. Je vais acheter des informations. Merci beaucoup d'être venu me voir. Comme vous êtes un shinobi, je vais vous parler des outils de shinobi. Si c'est possible. J'ai vu un tube. Un tube qui crachait du feu. Quand nous sommes entrés dans le manoir Hirata, l'un de mes amis en a trouvé un. Bouf ! Bouf ! C'est le bruit que font les flammes en sortant. Un tube crachant des flammes au manoir Hirata. Je m'en souviendrai. Cet homme venait de Hirata. Je dois présenter mes respects. Seigneur Kuro. Dame Emma, y a-t-il d'autres survivants de Hirata ? Nous ne sommes plus très nombreux. Je vois. Je vous présente mes excuses. Rien n'arrête ceux qui cherchent l'héritage du dragon. Leur destin était écrit à cause de ceux qui me poursuivent. Je regrette qu'ils aient été impliqués. Les yeux. Écoute parler la cloche. Le son de la cloche va remuer tes pensées. Et faire ressurgir les anciens souvenirs de leur torpeur. Oh!
Tu es le fils de la chouette. Que s'est-il passé? Des voleurs. Au domaine Hirata, il faut faire vite. L'héritier divin. En quelle année sommes-nous? Quelle année? Quelle étrange question. Réponds-moi. C'est l'année du pèlerinage de la source du dragon. Le pèlerinage de la source du dragon. C'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que c'est? Le sculpteur parlait d'un vieux souvenir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Mais ça semble appartenir au passé. Connaissez quelque chose en écailles de carpe? Les écailles scintillantes de la carpe au trésor. Apportez-les-moi et je vous récompenserai bien. Apportez-moi d'autres écailles la prochaine fois.
Tenez-vous là. M'avez-vous, c'est vous. Apportez.
vous. Satané bâtard. Hey, vous êtes... le shinobi, n'est-ce pas? Prenez la hache des shinobis dans le temple. Et... fracassez-leur le crâne, s'il vous plaît. Hé hey, ouvrez! Ouvrez ou gare à vous! Je peux vous entendre à l'intérieur. Je sais qu'il y a quelqu'un. Si vous vous rendez pas maintenant, vous allez le regretter. Hé, hey, vous m'entendez? Hé hey. Ah, Seigneur, vous êtes un pilleur aussi? Mon bon Seigneur, vous ressemblez... un shinobi. Vous cherchez quelque chose? Eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cet endroit en premier. Gardez les yeux bien ouverts, hein? Ah, au fait, alors que je venais ici, j'ai vu une pagode à 3 étages en haut d'une falaise. Une jolie pagode. Vraiment jolie. Je parie qu'on pourrait y trouver des trésors. C'est obligé. Enfin... c'est ce que j'en pense, en tout cas. Qui êtes-vous? Je ne suis pas un voleur. Vous êtes avec le jeune seigneur? Oh, quelle chance! Seigneur Shinobi, ces bandits en ont après le jeune seigneur. Ils ont déjà escaladé la colline et mis le feu au manoir. Je crains que le jeune seigneur n'ait eu aucun moyen de s'échapper. Je vous en supplie, Shinobi, sauvez le jeune seigneur. J'ai quelque chose pour vous. J'espère que cela vous sera utile. C'est promis. Essayez de ne pas bouger. Cela aggravera vos blessures. Non. Je dois y aller. Il y a un chasseur de shinobi parmi les bandits. Il est très doué. Si je ne l'affronte pas... Je l'interdis. Vous n'êtes pas en condition. Vous êtes le shinobi du jeune maître. Oui. À quoi servez-vous? Où étiez-vous quand les choses ont tourné à la catastrophe? Attendez. Dites-moi que ce n'est pas vous qui les avez menés jusqu'ici. Ils ont attaqué pile au bon moment. En temps normal, ces bandits n'auraient pas eu la moindre chance. Oui. Oui, c'était forcément vous. Mourez, sale traître! Ce temple ensuite, chef.
Non, on le laisse. On passe au suivant. Mais s'il y a des offrandes, on pourrait les donner au seigneur Jizu. Ah, ça suffit! On ne vole rien à Bouddha. Combien de fois dois-je le dire pour que ça rentre? Vous fâchez pas après moi, chef. C'est pas ma faute si je suis si bête. J'ai vu. Oui ? Je vous ai vu, avec le seigneur Kuro, dans une vision. Une vision ? Oui. Où est le seigneur Kuro à présent ? On le détient près du puits dans le château Ashina. Cependant, la porte du château est fermée. Je vois. Tu as remarqué quelque chose de différent ? Oui. À savoir ? Je suis mort. La voix de l'héritier divin est venue jusqu'à moi. Et je suis revenu à la vie. Alors tu es mort. Et maintenant tu es de nouveau vivant. Cela signifie que c'est une résurrection. Résurrection ? Le seigneur Kuro. On dit que c'est un des pouvoirs de l'héritage du dragon de l'héritier divin. Ceux à qui est donné le pouvoir de résurrection peuvent revenir d'entre les morts. De façon répétée. C'est impossible. Oui, c'est assez étrange. Et pourtant, cela arrive de temps en temps. Préviens-moi si tu remarques d'autres changements. Je pense que le pouvoir de résurrection a un coût pour celui qui l'utilise. Qu'y a-t-il ? On dirait... que ton sens du combat est revenu. Tu es un peu plus shinobi qu'avant, mais pas énormément. Prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Des techniques de shinobi. Ce sont des techniques de combat qui ne peuvent pas être exécutées par des samouraïs. À toi de voir si tu les utilises ou pas. Les shinobi ne sont pas les seuls à avoir leur propre technique de combat. Te revoilà. Était-ce un rêve ou était-ce réel? Si c'était un rêve ou la réalité... Je ne sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que le grand Bouddha a éveillé en toi de vieux souvenirs.
Ce que tu as ressenti, ce que tu te rappelles, voilà de quoi cela dépend. Je ne suis pas sûr que tout ce que j'ai vu se soit effectivement passé. Personne ne l'est jamais. La prothèse de Shinobi. Apparemment, tu t'y es bien fait. Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Cela contient des méthodes pour mordre dans tes ennemis avec le croc que tu possèdes. En d'autres termes, des techniques de combat pour ta prothèse. Je vois. Je ne pensais pas que des techniques de prothèse seraient de nouveau utiles un jour. Mais j'avais tort. Quoi que je fasse, les Bouddhas que je sculpte incarnent la colère. Voilà ce qui arrive aux êtres vils. Tu comprendras le jour où tu essaieras d'en sculpter un toi-même. Alors, besoin de quelque chose ? Si tu veux d'autres formes pour ton croc, tu dois trouver davantage d'outils de shinobi. Tu ne peux plus te détourner de ta voix désormais. Le moins que je puisse faire, c'est d'équiper ton bras.